Bonjour à tous, ça y est, on y est dans ce superbe groupe 1, la grande course d'Auteuil, où les étrangers ont décidé de montrer les dents et de tenter de marcher sur les traces de Bédi des Dieux ou encore Toussaint Star, pour ne citer que. Je vais pour ma part rester très cocardier en plaçant en tête le champion d'Arnaud Chahi-Chahi, le numéro 9 Telem. Alors oui, il vient d'être devancé par Goalil dans le Léon Rambaud, mais cette course n'était pas un objectif. Je fais confiance à son mentor pour l'avoir affûté comme il était lors de sa victoire dans le Grand Prix d'automne l'an dernier. Il est pour moi plus fort qu'il n'a jamais été. Je pense que c'est son jour, tout simplement. Je vais toutefois lui opposer le numéro 2, Classical Dream, dauphin d'Hermès B dans ce groupe 1 l'an dernier. Ce fils de Dreamwell vient une nouvelle fois de faire étalage de toute sa classe en remportant un groupe 1 sur l'hippodrome de Punchestown. C'est un cheval qui s'économise dans un parcours et qui sait finir vite, ce qui est un atout sur les 5100 mètres de la piste d'Auteuil. S'il parvient à être dans le dos des premiers au saut de la dernière haie, il va falloir être fort pour le contrer sur le plat. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la quatrième.